Et aussi, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne de mon frère. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à checker. Il fait du bon contenu. Yo les gens, c'est PlayGameFR pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Une vidéo tuto. Donc, du coup, comment utiliser son téléphone comme télécommande pour la Xbox. Donc, avant que le tuto ne commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Cliquez sur le bouton s'abonner, ça ferait vraiment plaisir et liker. Donc pour cela, vous devez aller sur le Google Play Store. Vous devez écrire Xbox, XBOX. Donc vous prenez l'application Xbox officielle de Microsoft Corporation. Donc vous allez l'installer, puis l'ouvrir. Quand ce sera ouvert, vous allez aller dans les trois petites barres en haut à gauche. Vous allez descendre un peu. Vous allez cliquer sur console. Vous allez aller. Donc ici, il sera écrit connecter Xbox One. Du coup, vu que j'ai déjà connecté à ma Xbox One, ça, il est écrit accueil. Donc il sera écrit connecter vous à votre Xbox One. Donc, on va passer à l'autre. Enfin, à l'autre. Du coup, pour connecter votre Xbox One, vous devez d'abord l'allumer. Moi, c'est déjà fait vu qu'elle est déjà connectée, comme vous pouvez le voir. Elle est déjà allumée. Donc, quand vous l'aurez allumée, vous allez cliquer sur Accueil. Vous allez cliquer sur Télécommande. Et puis voilà. Donc, vous allez viser votre téléphone vers la Xbox. Et normalement, ça pourra. Vous pourrez faire. Vous pourrez pas jouer avec, mais vous pourrez naviguer dans l'accueil. Sans manette. Par exemple, là, je vais quitter. Là, vous pouvez pas le voir, mais je vais essayer de vous faire un plan. Du coup, donc par exemple, pour bouger vers la droite, vous balayez vers la droite. Pour bouger vers la gauche, vous balayez vers la gauche. Voilà. Sinon, il y a les touches basiques, start, et la touche de l'autre côté. Du coup, voilà. Je vais essayer de vous faire un petit plan en vous montrant. La qualité vidéo est pas trop bonne qualité. C'est pas mon téléphone principal, mon téléphone principal est là, donc je l'ai changé il y a longtemps. Du coup, comme vous pouvez le voir, la télécommande ressemble à ça. Du coup, quand je balaye vers la droite, par exemple, regardez, je vais balayer maintenant. Je vais mettre le téléphone devant moi. Donc là, je vais, donc là, le truc il est, hop. Donc je vais balayer vers la droite, comme vous pouvez le voir. Ça fonctionne. Excusez-moi vraiment de cette qualité vidéo. C'est un J3, donc c'est un téléphone un peu pourri en termes de vidéo. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ça marche. J'ai envie d'aller vers l'accueil. Je clique sur le bouton Xbox. Du coup, non, ça n'a pas cliqué. Il faut que je regarde aussi. Donc là, j'ai cliqué. Là, le A, il se trouve au milieu. Donc je clique sur A pour aller à l'accueil. Pour aller dans mes jeux, je fais en bas A. Donc là, j'ai mes jeux que j'ai téléchargés. Je peux descendre. Tac, je peux monter. Je fais ce que je veux. Voilà, je peux aller là. Je clique sur A. Dans mon téléphone, bien sûr. Voilà. Comme on peut le voir, ça fonctionne très bien. Toutes les touches fonctionnent. Donc B fonctionne pour quitter. Voilà. Tac. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui s'abonnent pas. Du coup, abonnez-vous, les gars, pour qu'on atteigne au plus vite les 1000 abonnés. Ça ferait extrêmement plaisir. Bonne soirée à tous. Ciao.